Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je suis avec Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Nicolas. Merci de venir sur la chaîne avec ce Duster Pickup. Bah, merci à toi de me recevoir, ça fait plaisir. Bah, ça me fait plaisir. Qu'est-ce que tu fais toi, Olivier, dans la vie? Alors écoute, moi je suis journaliste automobile à la base, donc je travaillais pour pas mal de médias papier, internet, donc voilà, dans la presse 4x4, la presse généraliste, utilitaire un petit peu, je travaille aussi pour l'Argus, et puis il y a une dizaine d'années, un peu plus de 10 ans maintenant, j'ai lancé un magazine consacré à la marque Dacia, qui est indépendant du constructeur, hein. On ne travaille pas pour eux, on n'est pas rémunéré par le constructeur. C'est un magazine papier qui s'appelle Daciatitude et qui est donc consacré à tout l'univers de la marque Dacia. Ok, donc là, tous les abonnés, n'hésitez pas à regarder si vous connaissez Daciatitude, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous connaissez ou si vous êtes abonné. Ça se trouve, on va avoir plein d'abonnés peut-être, et de fans, j'espère bien. Les amis, cet essai, ça m'a donné envie de regarder un petit peu sur Internet combien ça valait un Duster d'occasion et de faire un rapport Car Vertical. Car Vertical, c'est mon partenaire sur cette vidéo. Grâce au code MECA ici, vous avez une réduction de 20% tout le temps ou le lien dans la description. Mais surtout, ce qui est important, c'est j'achète une voiture d'occasion, je regarde Car Vertical et regardez. Donc là, je tombe sur un Duster, je donne le numéro de plaque matriculation ou numéro VIN. Et ensuite, il me dit compteur kilométrique, ok, statut financier, ok. Par contre, il y a eu des dommages. Bon, je clique sur dommages. Qu'est-ce qu'il y a eu comme dommage ? On peut voir qu'il y a eu deux fois des dommages, mais surtout l'avantage, c'est que j'ai les photos ici. Et là, on peut voir qu'il était sévèrement endommagé. Il a fait des tonneaux à très très mauvais état, attention endommagé. Ah ouais, quand même. Donc ça, c'est comme pas top top hein, pour acheter une voiture d'occasion, surtout quand c'était autant endommagé. Mais moi, ce qui me dérange le plus, c'est que cette voiture était entretenue dans un pays inconnu. On peut juste voir qu'elle était endommagée en Allemagne et elle était en vente en Allemagne. Donc on ne sait pas d'où elle vient. Perso, je recommande pas et l'avantage, c'est que surtout, il vous propose en dessous d'autres. Et par exemple, quand je fais aller à l'annonce, là, il me propose un truc officiel de chez Renault, mais il peut vous proposer des Le Bon Coin ou peu importe la marque du site d'annonce et vous pourrez trouver quelque chose de plus intéressant. Plus important, code MECA et le lien dans la description si vous voulez ne pas vous faire arnaquer et tomber sur une voiture qui est saine et bien entretenue et pas de compteur trafiqué. Bon alors, qu'est-ce que tu nous as ramené aujourd'hui ici? Ah bah alors, comme tu peux le constater, c'est presque un Duster, c'est le même avant, la partie avant, le capot, jusqu'ici, on connaît, c'est un Duster normal, et il se trouve, comme tu l'as vu, que c'est un pick-up. En fait, c'est un pick-up Dacia Duster, qui n'est pas commercialisé par Dacia en France, mais qui l'est en revanche en Roumanie. C'est un Duster normal, à la base, qui est fourni par l'usine Dacia à un carrossier roumain, qui s'appelle Rom Thuringia, et qui les transforme. Alors, on connaît ça aussi en France, hein. On a Collé, Gruau ou autres qui font des transformations de véhicules. Okay. C'est homologué par Dacia, c'est réalisé en Roumanie et en France, c'est importé. Il y a deux importateurs qui s'en occupent, dont le principal est Borel. On va peut-être en reparler plus tard dans la vidéo. D'accord. Donc, ça veut dire que ce carrossier les prend et ça retourne dans le réseau Dacia pour être vendu en Roumanie? Certaines sont vendues directement par le carrossier à des revendeurs en Roumanie ou ailleurs en Europe et d'autres, effectivement, repartent dans le réseau Dacia en Roumanie et tu peux le trouver. À un moment donné, il était même au configurateur de la marque directement sur le site roumain et tu peux le retrouver dans des concessions en Roumanie, effectivement. Ok, intéressant. Je ne sais pas si vous saviez. Est-ce que, d'ailleurs, vous en avez déjà vu sur la route? Je pense que c'est la première fois que j'en vois un ou la première fois que c'est j'avais vu le tien, mais... Je ne pense pas en avoir vu beaucoup. Tu sais combien il y en a en France à peu près sur la route? C'est difficile à quantifier parce que voilà, ça passe par des réseaux un petit peu parallèles, alors que tout est homologué, hein, n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais effectivement, comme je te disais, le premier qui l'a importé, donc c'est un garagiste 4x4 en Haute-Savoie qui s'appelle Balédier, qui est spécialisé dans le gros pick-up. Lui, en général, il fait plutôt de l'Isuzu, du Toyota Hilux, donc il est plutôt dans le gros vrai pick-up. Et il a importé une première série de 200 véhicules qui étaient basé en fait sur le Duster 2 mais phase 1, avec une découpe qui était un petit peu différente. Il en a vendu à peu près 200 en France et puis depuis il y a la version essence qui est arrivée, qui est importée par Borel. Et là c'est difficile à dire, mais je pense que voilà, on peut dire qu'en France aujourd'hui il y en a quelques centaines, pas beaucoup plus. D'accord, ok, donc ça court pas les rues forcément. Effectivement, c'est pas très courant. Et tu sais dans combien de pays c'est vendu officiellement, parce que donc il y a la Roumanie, où Dacia est originaire de Roumanie. C'est ça. Je sais que Dacia est beaucoup présent aussi en Amérique du Sud. Alors, ce n'est pas Dacia qui est présent en Amérique du Sud, c'est Renault. Voilà, Renault qui rebadgeait des produits Dacia. Alors, effectivement, le Duster, notamment le Renault Duster, il existe toujours en Amérique du Sud, donc Argentine, Brésil, il y a pas mal de pays qui le commercialisent, mais c'est sous badge Renault, donc c'est un petit peu différent. Et là, aujourd'hui, d'ailleurs, les deux marques ont tendance, tu l'as vu dans les derniers produits, mais à différencier
respectaient de plus en plus ces designs. Avant, c'était un simple rebadging, donc c'est-à-dire on prenait une Sandero, on enlevait le petit Dacia, on mettait un losange et puis c'était fini. Okay. Aujourd'hui, ils font des produits qui sont de plus en plus spécifiques. Tu l'as vu avec le Renault Kardian, par exemple, qui est une version très édulcorée de la Sandero, complètement différente. Et aujourd'hui, effectivement, les deux lignes de produits ont un petit peu leur vie propre. Mais effectivement, on a trouvé ce genre de véhicule en Amérique du Sud, sachant qu'en Amérique du Sud, eux, ils avaient une version spécifique qui était un pick-up double cabine qui s'appelait le Renault Auroch et qui était basé sur le Duster, en revanche, de première génération, donc celui apparu en 2010. Et il a été commercialisé en double cabine à partir de 2014-2015. Mais ça, on n'a jamais pu l'avoir, nous, en Europe, parce qu'il n'était pas homologable avec notamment des moteurs d'ancienne génération, Euro 4, Euro 5. Et ce n'était pas possible de l'homologuer en France. Ok, voilà. Très intéressant. Et tu vois, on apprend plein de choses aujourd'hui, parce que Olivier est quand même la référence, la Bible Dacia. Au moins. Normalement, il s'y connaît assez bien. Ok, et donc, sous le capot, qu'est-ce qu'on a comme motorisation disponible sur ces Duster? Il y a plusieurs. Oui, alors en fait, c'est un Duster 4x4. Alors, c'est important d'ailleurs de le souligner, le Duster Pickup n'existe qu'en 4x4. Tu ne peux pas avoir de Pickup 4x2, à la différence de ce que Dacia avait fait, par exemple, avec la Logan. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait une Logan Pickup à un moment donné, dans les premières années de Dacia, vers 2010, qui était une simple traction. Là, le Pickup Duster, il est uniquement en 4x4. Bah, forcément, donc, tu es un petit peu limité par les moteurs qui sont proposés sur le Duster 4x4, sachant qu'en France, on n'a plus que le diesel, qui est homologué et qui est commercialisé par Dacia, pour des raisons de malus. Mais avant, on avait le TCE 130 et le TCE 150, qui sont toujours commercialisés dans d'autres pays, où les règles sont un petit peu moins contraignantes en termes de malus et de taxation CO2. Donc, en l'occurrence, celui-là, c'est un TCE 150 4x4, mais tu peux l'avoir également en diesel, donc avec le Blue DCI 115 qu'on connaît en France avec AdBlue, qui fait donc 115 chevaux sur le bon vieux diesel, qui est amené à disparaître, puisque, comme tu l'as vu, la nouvelle génération de Duster fait l'impasse maintenant sur le diesel. Ouais, effectivement. Et même, on a cette fois-ci de l'hybride, même sur le nouveau... On est libre, exactement. Qui est peut-être une bonne chose, hâte de l'essayer, puisqu'on les essaye normalement dans quelques mois. C'est bientôt, c'est dans un mois et demi, je crois, hein, quelque chose comme ça, donc ça va vite arriver. Complètement, hâte de voir ce que ça va donner sur la route. Voilà. Okay. Donc celui-là, c'est un TCE 150 4x4, et qui en plus est au GPL, c'est un petit peu sa spécificité. C'est-à-dire qu'en plus, il fonctionne à l'essence, et Borel qui les importe, lui les transforme aussi à la demande au GPL ou au GNV, qui sont deux gaz carburants un petit peu différents. Il y en a un, c'est du méthane, l'autre du propane. Là, on est sur la version GPL, avec tous les avantages que tu connais du GPL, donc en l'occurrence, un prix du plein qui est évidemment bien inférieur, quasiment de moitié par rapport à celui de l'essence. Ok, et est-ce que tu sais pourquoi Dacia ne fait pas trop de 85? Alors, Dacia a fait le 85, okay. Ça ils en ont fait dans les années 2010-11-12 à peu près. Tu avais le Duster qui existait en version flex fuel, tu as eu aussi la Logan MCV et la Sandero. Ils l'ont fait pendant 2 ans et puis ils n'y sont pas revenus parce que c'était des moteurs déjà d'ancienne génération. Ils ont eu quand même quelques soucis en après-vente malgré tout, même si les moteurs étaient spécifiquement conçus. Et puis surtout, pourquoi Dacia n'est pas revenu à le 85? C'est parce que le 85, on aime bien ça nous en France parce qu'on trouve que c'est pas cher. Effectivement, c'est vrai, quand tu vois les prix à la pompe, tu as envie de rouler à le 85. C'est vrai. Surtout quand tu as une voiture qui consomme un peu. Mais il se trouve que le 85, c'est quasiment une spécificité franco-française. Tu en avais un petit peu dans les pays du Nord et ça a plus ou moins disparu. Tu en as encore un petit peu en Suède, mais ça devient difficile. Tu en as un tout petit peu en Allemagne. Mais ce n'est pas une alternative. En fait, Dacia commercialise ses véhicules dans à peu près une grosse quarantaine de pays en Europe, dont la plupart distribuent du GPL. En fait, le GPL en France, ce n'est pas très connu. Ça l'est de plus en plus grâce à Dacia. Mais en revanche, dans les pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, c'est quasiment carburant majoritaire. Tous les taxis, par exemple, tu vas en Roumanie, en Bulgarie, dans les Balkans, tout le monde roule au GPL. Et pour Dacia, qui commercialise vraiment ses véhicules sur tout le continent européen, eh bien, c'est beaucoup plus simple pour eux de développer des versions GPL que tu vas retrouver dans tous les pays, plutôt qu'une version E85 qui serait quasiment franco-française et qui ne serait pas commercialisable à l'extérieur de nos frontières. D'accord, c'est vrai. Ok, je comprends mieux, puisque c'est vrai que nous, on parle de plus en plus de 85. L'avantage, c'est que c'est moins polluant de ce qu'on comprend. C'est pas de l'énergie fossile, donc ça pourrait être la bonne alternative. Mais je comprends que le GPL c'est également, ce soit une autre alternative. C'est plus simple. Il fonctionne assez bien. Exactement. Ça coûte combien environ une version pick-up comme ça? Alors, la tienne est un peu plus équipée qu'une version pick-up de base. On va en reparler, effectivement, elle est un peu plus équipée. Alors, le Duster, à la base, quand il est apparu en version pick-up, les premiers prix, donc sur la phase 1, dont je te parlais tout à l'heure, c'était une version simplifiée, blanche, avec très peu d'équipement. On était à peu près à 26 000 euros TTC, ce qui était déjà une belle somme pour un Duster. À l'époque, on parlait d'un Duster 4x4, ça coûtait 20-21 000 euros. Okay. Puis, comme tu
le sais, les prix chez Dacia, bah, comme partout, ils ont augmenté. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur des tarifs d'entrée qui sont beaucoup plus chers. Là, aujourd'hui, sur un pick-up comme ça, avant une toute transformation, tout équipement, on va être en diesel comme en TCA 150, on va être à peu près à 30-31 000 euros en prix de base TTC. Donc ce qui commence à faire une somme, c'est peut-être ce qui explique qu'il n'ait pas été très diffusé, parce que finalement, on arrive quasiment sur le prix d'un gros pick-up. On arrive sur le prix d'un Isuzu ou d'un Toyota Hilux de base. Donc, c'est des plus petits volumes, donc forcément, ça c'est des petits volumes, comme je te disais, c'est fait par un carrossier. Donc voilà, les véhicules, déjà, tu as de la logistique, hein, il faut les emmener de l'usine, il y a tout un parcours en fait du véhicule. La transformation, même si déjà le carrossier, il a une belle usine, il y a du monde, etc., mais c'est une transformation qui est encore faite essentiellement à la main. D'accord. Donc bah, c'est des heures de main d'œuvre, etc. Et finalement, la transformation en elle-même revient à peu près à 4000 euros, 4500 euros hors taxe, que tu D'accord. ajoutes au prix du Duster, plus les transports, etc. Donc c'est pour ça que tu arrives assez vite. Et puis aujourd'hui, un Duster 4x4, tu l'as vu, et bah, c'est 25 000 euros à peu près sur le Duster 2. Ça sera encore plus cher sur le Duster 3. Ok, mais j'ai vu que donc, les nouveaux prix, il me semble, ça commence en dessous des 20 000 euros, 19 900 et quelques. C'est ça, 19 690 euros voilà, pour le Duster, le 3, hein, le nouveau, en version EcoG 4x2, en équipement de base, mais qui est finalement plutôt pas mal fourni, puisque tu as la climatisation, tu as le régulateur de vitesse, tu as déjà pas mal de choses. Bah, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'améliorations aussi chez Dacia. Et on voit qu'ils veulent vraiment évoluer. Pareil, donc les versions hybrides, je crois qu'on est un petit peu en dessous de 30 000. On doit commencer, j'ai plus les tarifs exacts en tête, mais on doit commencer à 26 000, 27 000 euros, tu vois, en expression. C'est le prix d'une version extrême aujourd'hui. C'est ça, quasiment. C'est ça. Sauf que cette fois-ci, on a de l'hybride. Bon, hâte de voir, pareil, on ne les a pas encore essayés. On va voir ce que ça donne. Puis tu as un nouveau moteur TCE 130 aussi, hein, qui est un 3 cylindres. Alors lui, micro-hybride, 48 volts, mais qui est intéressant. Bah, j'ai vu que tu l'avais essayé d'ailleurs sur le Renault Austral. C'est la même mécanique. Okay. Tu vas la retrouver sur le Duster. Donc ce sont des blocs effectivement plus modernes et puis surtout qui consomment moins. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, Dacia, comme tous les constructeurs, eh ben, il doit adapter son offre à des règles CO2 qui sont de plus en plus contraignantes. Donc voilà, on est sur des motorisations plus petites en cylindrée, très souvent hybridées, ou alors avec des énergies alternatives, comme justement le GPL dont on parlait. D'accord. Bah, c'est vrai que je n'avais pas pensé que c'était le même bloc que l'Austral, mais l'Austral qui consommait très peu au final dans ma vidéo. Ça consomme très peu. Pour ceux qui l'ont regardé, on a fait Paris-Belgique et on est revenu. Et très bonne consommation. L'avantage également de Dacia, c'est qu'ils gardent des poids très contenus sur leur voiture. Voilà, exactement. Comme... C'est ce que j'allais dire, c'est que l'Austral, il va peser à peu près 150 kg de plus que le Duster à motorisation équivalente. Okay, donc, on verra ce que ça donne quand on va l'essayer. On se croira sûrement lors des essais. Sûrement. Mais on verra ça. Mais il y a de fortes chances qu'effectivement, le Duster consomme un petit peu moins que l'Austral. Sachant qu'après, l'Austral est peut-être plus travaillé en aérodynamisme, etc. Mais à voir, à vérifier, mais ça peut être effectivement une bonne alternative. Ouais. Hâte de voir ça. Ok. Donc sur celle-ci, ce qui a été fait comme transformation, donc on a parlé un petit peu niveau carrosserie, donc c'est passé en version pick-up. Est-ce que niveau châssis également, il y a une préparation spécifique? Alors, d'origine, non. Ils gardent le Duster classique. Alors évidemment, comme tu enlèves une partie de la carrosserie, hein, celui-là, il est habillé parce qu'on va en parler, il a un hardtop, il a une tente de toit, etc. Mais d'origine, c'est une benne qui est à peu près, en fait, qui est comparable en dimension à celle d'un pick-up double cabine. D'accord. Donc c'est une petite benne relativement, alors tu mets pas pareil, c'est dans un pick-up, un gros pick-up, tu mets une tonne de charge utile, dans un Duster c'est 500 kg, donc c'est pas un pick-up de travail, c'est pas un pick-up de chantier, mais effectivement, bah, comme tu enlèves une partie de la carrosserie, tu es bien obligé de le compenser avec ce qu'ils mettent. En fait, ils mettent une espèce de bassine pour re-rigidifier le véhicule. D'accord. À l'intérieur. Donc ça, c'est la transformation de base. Il est commercialisé comme ça, il n'y a pas après d'autres transformations. Moi, j'ai fait effectivement d'autres modifications après, parce que ce véhicule, bah, tu as parlé d'Assiatitude tout à l'heure, je m'en sers beaucoup pour faire des reportages, et notamment, bah, je couvre des événements et des raids qui sont réservés aux Dusters, ou qui ne sont pas forcément réservés aux Dusters, mais auxquels participent les Dusters. Donc avec celui-là, on a fait notamment le Maroc, on a fait les Balkans. D'accord. Et là, tu es obligé d'apporter quelques modifications, notamment au niveau, effectivement, comme tu le disais, du châssis et de la suspension. D'origine, le Duster, il a déjà une bonne garde au sol, mais qui est pas toujours suffisante. Donc en fait, on essaye un petit peu de remonter, de gagner quelques centimètres de garde au sol. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui est arrivé à celui-là. On lui a mis une suspension complète, spécifique. D'accord. Qui rehausse la caisse de 4 cm à l'avant comme à l'arrière et qui surtout la raffermit, puisque le Duster, c'est très confort, mais ça prend du roulé, etc. Là, on est sur une version qui est, tu le verras en le conduisant, c'est ferme, mais en revanche, bah, ce qu'on gagne, c'est effectivement plus de débattement et on gagne des capacités en tout terrain. Le Duster n'est pas un franchisseur, c'est un très bon SUV, mais là, ça accroît encore
le fait qu'il soit à l'aise en tout terrain. D'accord. Parce que moi, j'avais essayé sur la chaîne avec une version 4x4 de base. Standard, ouais. Ça montait quand même déjà quasiment partout. Alors, j'avais des pneus bien. De route, voilà. Pas du tout des pneus tout terrain comme on a aujourd'hui. Et il s'était brouillé franchement assez bien. J'avais été assez surpris et même la personne de Univers Tout Terrain m'a dit « ça monte quand même vraiment partout ». Ça monte bien. Je pense que juste avec des pneus, ouais. On peut déjà faire pas mal de choses. Et on voit des gens dans les montagnes en France, puisque on est quand même beaucoup en France, nous. Hein. Mais il y a pas mal de gens à la montagne qui utilisent des dusters. Ah, complètement. Et au final, c'est bon. Tu vas dans le Massif Central, tu vas dans les Alpes, ça a remplacé les Panda 4x4, ça a remplacé les Lada Niva, ça a même remplacé une partie des Suzuki. Mmh. Effectivement, c'est un véhicule qui est très polyvalent. Tu parlais du poids tout à l'heure, le duster, c'est vraiment ça. Un duster 4x4, ça fait 1400 kg. C'est presque une tonne de moins qu'un très gros 4x4. Tu vois, par exemple, si tu vas prendre un gros Land Cruiser comme ceux que tu as essayé, on est sur des véhicules de tonne 3, de tonne 4. Là, on est beaucoup plus léger. Et en plus, il est léger, donc il n'a pas besoin de gros moteurs. Donc, finalement, c'est un cercle vertueux si tu veux, hein, tu veux petit moteur, petit poids, et en même temps il a une très bonne motricité. La transmission intégrale est issue de la banque d'organes Nissan, donc c'est quelque chose qui provient notamment du Nissan Rogue, du Nissan X-Trail, du Nissan Murano. Okay. C'est une transmission qui est éprouvée, c'est pas un 4x4 permanent, c'est un viscocoupleur en fait à l'arrière, enfin un coupleur électromagnétique on va dire, qui renvoie à la demande la puissance vers les roues arrière, et tu peux aussi le bloquer en 4 roues motrices permanentes. Et alors là, tu as effectivement une très bonne motricité, un poids qui est contenu, et tu as aussi, ça c'est intéressant sur le Duster, une boîte de vitesse spécifique sur la version 4x4 avec une première qui est raccourcie. C'est-à-dire qu'en fait, dans la circulation, tu démarres quasiment en seconde, mais quand tu es en revanche en tout terrain, tu as une première qui est courte. Alors ça ne remplace pas une vraie boîte courte d'un 4x4, parce que tu vas avoir forcément dans les commentaires des gens qui vont me dire ouais, c'est pas un vrai 4x4. Ouais, mais ça permet. Je vous rassure, c'est pas un vrai 4x4, mais on fait quand même pas mal de choses avec. Et cette première raccourcie, t'aide à avoir justement une aide, si tu veux. Ça démultiplie un peu le couple, exactement. Et pour monter des pentes qui sont déjà effectivement plutôt pas mal. Et puis, le dernier avantage de ce Duster, c'est qu'il est très stable. Il a des voies assez larges. Il est bas, tu peux constater, par rapport à un gros 4x4, c'est un véhicule. On est quand même sur une base de berline sur le Duster. Il est très bas, il a des voies assez larges, ce qui fait qu'il est extrêmement bon en dévers. C'est-à-dire que tu peux prendre vraiment des angles assez prononcés. Tu peux aller jusqu'à 45 degrés. Je t'assure, quand tu es à 45 degrés en dévers, ça fait tu bizarre. Commences à le sentir, tu penches un peu. Ouais. C'est vrai. Parce que de base, c'était quoi comme châssis? C'était repris d'une Renault. Me semble. Ça, cette génération-là, c'est le Duster 2. Donc le Duster 2, il est sur la même base que le Duster 1, qui lui-même est extrapolé de la base de la Logan. Okay. Et en fait, la base de la Logan, c'était la première plateforme de Dacia, c'était la plateforme B0. C'était une plateforme qui était un petit peu un mélange à l'époque. Elle est sortie à peu près en même temps que la Clio 3. Donc c'était une version, on va dire, dégradée. C'est un mélange entre Clio 2 et Clio 3, avec différents empattements. Et on a repris en fait ces bases-là. Et cette plateforme B0, elle a fait une carrière magnifique puisqu'elle est allée de 2004 à aujourd'hui 2024 et elle va s'arrêter avec cette génération de Duster. Ok, et c'est pour ça que maintenant sur les nouveaux, on peut enfin avoir les freins à main électroniques, etc. Parce que justement, on a une vraie évolution. Et alors que là-dessus, on ne pouvait pas, parce que les plateformes, ça regroupe pas que forcément la base métallique, c'est pas mal de choses, c'est tout ce qui est faisceau, etc. Donc qui peuvent pas évoluer trop vite comparé au reste du châssis. Tout à fait. Parce que sinon, en fait, ça fait des petites différences et vous connaissez l'électronique, on ne peut pas mettre n'importe quoi n'importe où. On ne peut pas tout mélanger, c'est exactement ça. En fait, ce que les constructeurs appellent des plateformes aujourd'hui, ce n'est pas comme on s'imagine un châssis. D'ailleurs, il n'y a pas de châssis, c'est une coque autoporteuse. Mais en fait, c'est essentiellement un unit avant, un unit arrière. Alors effectivement, avec une architecture aussi de moteur, une architecture électronique bien spécifique. Et puis différents empattements, des modules que tu rajoutes entre les deux. Et puis après, justement, ça te permet de faire différents véhicules. La plateforme B0 dont on parlait, en fait, elle a fait de la Sandero jusqu'au Logi, qui était le plus gros véhicule que tu avais à l'époque. Donc un véhicule de plus de 4,50 m. Et elle a fait le Duster aussi. Donc en fait, c'est ces éléments que tu combines entre eux. Et comme tu le disais, c'est une question de génération. La plateforme B0 ne permettait pas forcément ni d'avoir les motorisations, elle ne permettait pas non plus d'électrifier les motorisations. Donc tu ne pouvais pas avoir d'hybride, par exemple. Et tu ne pouvais pas avoir effectivement toutes les aides à la conduite. C'est aussi pour ça que le Duster 2, il prend une retraite un petit peu anticipée. C'est qu'aujourd'hui, avec le règlement GSR2, tu es obligé d'avoir des aides à la conduite. Donc l'aide au maintien dans la voie, le freinage automatique d'urgence, etc., qui ne pouvaient pas être implantées sur cette plateforme. Là, ou alors au prix de gros investissements, et ça valait pas la peine pour une plateforme qui était en fin de vie. Ok, très bien. On passe un petit peu sur l'arrière, voir à quoi ça ressemble ça aussi. Allez, on y va. Donc, nous voici sur la partie arrière, la plus atypique donc de ce Duster. Donc, on voit que c'est bien coupé à cet endroit-là. Toi, tu as mis pas mal de choses au-dessus, donc une forme de toit, une sorte de gros bac supplémentaire avec des rangements sur les côtés.
Le porte-roue. Le porte-roue. Okay. Ouais, comme je te disais, on fait pas mal de raids avec. Donc, le but, c'est aussi d'être un petit peu en autonomie. Hein, tu pars, par exemple, quand on fait le raid au Maroc, on est quasiment 8 jours dans la pampa, dans le désert, sur les pistes. Donc, il faut être autonome. Il faut emporter de quoi dormir, il faut emporter de quoi se laver, manger. Voilà. Tu ne vas pas forcément aller au camping, à l'hôtel. Donc, il faut un petit peu d'autonomie. C'est quelque chose que les propriétaires de gros 4x4 connaissent bien. Eux, en général, ils ont des gros véhicules. Donc, c'est plus facile à aménager. Sur un Duster, l'espace est compté. Et justement, le pick-up, c'est une base assez idéale en fait, pour faire un véhicule pour voyager, parce que tu peux l'aménager de pas mal de manières différentes. Et là, le choix qu'on a fait sur ce Duster-là, c'est effectivement de faire développer. Alors, c'est fabriqué en France par une société qui s'appelle Alubaquet, ils sont à Clermont-Ferrand. Ils sont spécialisés dans les hardtops. En fait, c'est un peu paradoxal parce que tu achètes un pick-up pour avoir la benne et puis on s'évertue à la refermer, tu vois. Mais bon. Ah, donc oui, ça referme au final. Ça referme la benne parce que comme tu l'as vu, en fait, le Duster, il est découpé ici. Donc quand tu enlèves ça, en fait, je te montrerai, tu t'enverras des photos, tu verras, en fait, c'est un vrai pick-up. Hein, il est coupé ici. Tu as une benne qui est ouverte. Il pleut dedans et tu peux pas ranger ce que tu veux, et puis tu restes stationné en ville, tu retrouves pas tes affaires. Donc évidemment, à un moment donné, c'est contre-intuitif, mais tu cherches à le refermer. Et là, en fait, cette société, elle a développé des hardtops en alu. Alors c'est extrêmement léger, ça a l'air massif quand tu le vois comme ça. Okay. Ça, ce hardtop, alors évidemment, on parle pas de la tente de toit, mais le hardtop tout seul, il fait que 40 kg. D'accord. Donc ça préserve le poids du Duster, parce que mine de rien, il fait une cure de régime. Hein. Quand tu le découpes, tu réduis le poids. D'accord. Donc on essaye de pas trop en rajouter. Et là, donc, c'est de l'aluminium. Ça a été fait spécifiquement sur mesure pour le Duster pick-up, avec des accès sur les côtés, tu verras, il y a des tiroirs, etc. Bon, voilà. Et la tente de toit qui a été intégrée dessus pour pouvoir la déplier et dormir directement sur le véhicule. Ok. Niveau réservoir, tu gardes le même volume que le réservoir de base ? Complètement. Okay. Alors, c'est le réservoir d'essence, il est de 50 litres là-dessus. Et Borel, alors lui, il met des réservoirs de GPL plus gros. Alors, ils sont à la place de la roue de secours, d'accord, ce qui explique qu'elle, elle se retrouve ici. Puis en plus, on a un plancher en aluminium par-dessus. Donc, on ne peut plus accéder à la roue de secours. Elle est remplacée par le réservoir. Et c'est un réservoir de 66 litres, ce qui commence à être pas mal parce que... C'est plus que les 50 litres de Dacia, oui, tout à fait. Okay. Parce que c'est une autre installation GPL qui est plus chère que l'installation de Dacia, qui est sur des modèles... En fait, les deux ne sont pas vraiment concurrents dans le sens où Dacia fait un moteur GPL, excellent, l'EcoG que tu connais, mais qui est réservé au Duster 4.2 et à d'autres motorisations. Tu ne peux pas l'avoir en 4.4. Et Borel, en fait, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il transforme d'autres moteurs, donc le 1,3 TCE, c'est un moteur qui a été conçu avec Mercedes, qui est apparu vers 2018-2019 chez Dacia, qui faisait 130 chevaux au départ, une version 150 est arrivée dans le même temps, maintenant il fait plus que 150 chevaux, et donc lui, il est transformé après coup au GPL. Et donc Borel rajoute un gros réservoir de 66 litres, ce qui amène quand même pas mal d'autonomie, puisque là-dessus, tel qu'il est là, donc avec les suspensions et les pneus qui font perdre quand même pas mal en consommation, hein, parce que ça, voilà, ouais, c'est, ça accroche pas plus, économique, c'est... exactement. Okay. T'es à peu près à 10 litres de moyenne au GPL, donc okay. Ce qui est pas mal dans le sens où un réservoir de 66 litres, ça te fait plus de 600 km d'autonomie. Et après, tu as encore à peu près 500 km d'autonomie avec l'essence. Donc c'est vrai que tu as une belle autonomie avec ce véhicule. Ouais. Ok, intéressant. Bon alors, je vous emmène un petit peu. Olivier va nous montrer alors qu'est-ce qu'on a de particulier et qu'est-ce qu'il y a comme accessoire sur cette voiture par exemple. Alors, on a parlé évidemment des suspensions, on a rapidement parlé des pneus, ce sont des pneus de type AT, tout terrain, qui ont un profil un petit peu plus agressif que les pneus d'origine, ils adhèrent beaucoup mieux, notamment dans la boue, ils sont plus résistants aux découpes pour les pistes, les chemins empierrés, etc. Donc, on a quatre pneus qui sont dans la dimension d'origine, par contre, on est resté sur le 16 pouces d'origine, et puis on a d'autres accessoires, donc on a rapidement parlé du hardtop, on a ce porte-roue, parce qu'il faut bien une roue de secours, quand tu crèves sur une piste, tu es obligé d'avoir ce porte-roue, donc ça c'est pareil, il a été développé spécifiquement pour le Duster. Il s'ouvre, alors bon, c'est, tu vois, c'est pas adapté à la ville, hein. C'est-à-dire que quand t'es garé et que la voiture derrière elle te colle, tu ouvres plus ton coffre, c'est une voiture de campagne. Bah c'est vrai que ça prend un petit peu de place. Hein. Ça prend un peu de place, ça fait la largeur de la voiture à peu de choses près, okay. Donc effectivement, il faut prévoir quand même pour l'ouvrir. Et puis derrière, c'est un pick-up, donc c'est une ridelle, là tu appuies le haillon. Alors ça reprend la forme du haillon, mais c'est une pièce en fibre en fait, c'est pas le haillon d'origine qui a été découpé, c'est une pièce en fibre, et puis après ça s'ouvre comme une ridelle. Et là derrière, tu peux voir qu'on a des tiroirs, du même fabricant d'ailleurs que le hardtop, des tiroirs qui ont été conçus aussi sur mesure et qui permettent d'emmener la plupart des affaires de bivouac pour lesquelles ceux que tu utilises pour avoir de l'autonomie et pouvoir rester 3, 4, 5 jours sans aller à l'hôtel et être peinard chez toi dans la nature, sur ton petit Duster.
Ok, et donc là, on a des tiroirs qui font toute la longueur de la benne ? Non, alors, cela, alors tu peux. Okay. Après, c'est toi qui décides, en fait, avec l'aménageur. Tu as des sociétés qui font ça. Alors, pour le Duster 4x4 et le pick-up, tu n'as que cette société-là qui propose des aménagements. D'accord. Là, moi, j'ai voulu conserver de la place à l'avant pour emmener d'autres affaires. Okay. Donc, les tiroirs, alors, ils sont quand même assez longs, tu vas voir. Mais ils ne font pas toute la longueur de la benne. Celui-là, par exemple, c'est celui où je mets mon frigo et la batterie. Okay. Celui-là, voilà, il fait, ouais, on va dire, 1 mètre de long, d'accord, à peu près. Ce qui est déjà pas mal. Quand tu rentres tout ça là, dans la benne, bah, ça fait quand même pas mal de place. Ça fait déjà pas mal de place. Et les deux autres tiroirs, eux, sont un petit peu plus petits. Donc là, c'est l'épicerie, les affaires de toilette. Et puis au-dessus, tout ce qui est pour la popote. Voilà. Ok, impeccable. Et après, donc, le domicile juste au-dessus. Le domicile est juste au-dessus. Alors, si tu veux, on va déplier ça, puis tu vas voir comment on dort sur un Duster. Allez, on peut voir ça. Hein. On va déployer le studio. C'est parti. C'est plus grand que certains apparts dans Paris, j'en suis sûr. Presque, ouais, tu vas voir. On va vous le faire en accéléré. Ah, ça bouge carrément. Ça bouge, t'as vu, ça s'incline et tout. Okay. Alors, t'étais obligé, parce qu'en fait, la tente, elle coulisse sur deux rails. D'accord. Mais en fait, les fixations de la tente qui la referment, tu vois, elles sont sur les côtés. Et en fait, fallait ménager un accès pour pouvoir aller déplier la tente. Ok. Je ne sais pas si vous avez vu certains, je vous ai fait une tente de toit aussi métallique il n'y a pas très longtemps sur la chaîne. J'avais trouvé ça super cool, on m'avait envoyé ça pour tester. Je trouvais ça très fun. Bon, à faire plutôt l'été, parce que j'avoue que moi, je suis un petit peu frileux. Mais ça peut être intéressant. Ah, ça marche bien aussi l'hiver. Le problème l'hiver, c'est pas tant le froid, c'est la condensation que tu as dans une tente. Et en fait, là aussi, c'est contre-intuitif, mais tu es obligé de dormir avec des aérations. D'accord. Parce que sinon, bah, là, c'est compliqué l'humidité, l'hiver. Ouais, t'as l'humidité. Bon allez, on vous met tout ça en accéléré et on vous déploie ça. Donc là, ah oui, effectivement, donc... Elle s'agrandit comme ça, elle vient là. C'est ça, c'est une tente portefeuille en fait, que tu ouvres sur le côté, tu dors dans ce sens-là, donc perpendiculairement à la voiture, mais tu as quand même de la place, tu as un couchage en fait qui fait 140 de large, tu as 210 en longueur, donc ça quand même... C'est une deux places, une grande deux places, tu as de la place. Alors, eux, ils la vendent pour trois personnes, on va dire deux adultes et un petit enfant, ça va aller. Trois adultes comme toi ou moi, on va se tenir chaud la nuit. Ouais. Non, c'est deux places, c'est pas mal. Ok, bon, intéressant. Et puis voilà, comme ça, en plein milieu du désert, c'est ça. Tu peux t'arrêter. Où tu sois, tu peux t'arrêter, tu peux, voilà, t'es autonome. Tout ton linge, en fait, tout ce qui est... bon, le matelas, évidemment, il est dedans. Mais moi, j'ai aussi les duvets, j'ai les oreillers qui sont en haut. Okay. C'est vraiment bien, c'est super étanche et c'est assez confortable au final. Malgré que le matelas, il est tout petit, et bah, tu dors bien. Enfin, tu l'as pu le voir hein, dans les tentes de toi, on dort pas si mal que ça. C'est vrai. Ok, hyper intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous seriez du style à partir, par exemple, quelques jours, alors peut-être pas une semaine, parce que ça commence à faire longtemps, mais... Tu peux, ça joue. Okay. Bah, dans les balcons, on est parti un mois. Donc ça a été un mois. Un mois à dormir là-dedans. Ouais, un mois à dormir là-dedans. Ah, ouais. C'est sympa, ça le fait. Okay. Ça le fait. Bah, il faisait beau, c'était au printemps, dans les balcons, il fait en général assez beau. Ouais, je préfère quand même un hôtel, moi. Ouais. Enfin, voilà. Autant aller s'amuser et tout ça, oui, mais moi j'aime bien ma petite chambre d'hôtel quand même. Son petit confort. Ouais, voilà, avec mon petit buffet à volonté et tout. C'est ça. C'est, voilà. Ok. Bon, bah intéressant, je pense qu'on a fait un petit peu tout le tour. Il reste plus qu'à aller l'essayer, cette voiture. Normalement, ouais, on a fait tout le tour, on va replier tout ça, et puis tu vas prendre le volant et tu vas nous dire ce que tu en penses. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Bon, Olivier, merci de me laisser la chance de conduire cet engin. Tu me diras après si c'est une chance. Ouais. On va voir, mais moi je suis pour tout tester dans la vie. Bon, écoute. Je me fais une petite liste chez moi sur l'ordi avec tous les trucs que j'ai conduits. D'accord. Bah, il y aura le petit Duster pick-up. C'est fait. Voilà. Donc, mode auto, mode de roue motrice, mode lock entre l'avant et l'arrière. C'est ça. Pas de vrai blocage de différentiel. Pas de blocage de différentiel à l'arrière. En fait, le mode lock, tout simplement, bah, il va répartir à 50% entre l'avant et l'arrière. Il se désactive automatiquement aux environs de 70 km/h. Le mode auto, en fait, lui, il va passer, il va renvoyer de la puissance à l'arrière quand il détecte une perte de patinage une perte d'adhérence sur les roues avant. Il te renvoie de la puissance à l'arrière. Et le mode de roue motrice, il sert à rien. En fait, tu l'oublies parce qu'il te fait pas économiser, sachant que tu ne désaccouples
jamais réellement ton essieu arrière. D'accord. Donc il y a toujours, de toute façon, un petit peu de couple qui passe à l'arrière. Okay. Donc tu restes en auto la plupart du temps, et quand tu arrives sur un terrain un petit peu plus gras, et ben là tu peux passer en lock si tu penses avoir des pertes de motricité récurrentes. Ok, intéressant. Donc le mode auto, hein, souvent c'est le mieux. Mode auto, c'est voilà, sur la route, c'est pas mal, et tu bénéficies, bah, quand tu as une perte d'adhérence justement, notamment parce qu'un 4x4, après nous on en fait un petit peu hors piste, mais la plupart du temps le 4x4 c'est surtout utile bah, en conditions difficiles, notamment sur la neige, et bah, là tu laisses faire l'électronique, okay. Il se débrouille plutôt pas mal. Ok, donc là pour la position à l'intérieur, alors donc on a ici le mur, on va dire. C'est ça, la cabine, la cloison, voilà. Donc on peut pas forcément, niveau inclinaison, aller trop loin. Tu peux pas trop t'incliner là-dessus. Alors, bon, moi je fais 1m80, toi t'es quand même un peu plus grand. Un grand bébé aussi. Mais ça va au final là. On a à peu près la même place. Un petit peu de marge. Le siège, je recule aussi loin que sur un Duster normal. Okay. En revanche, tu peux pas incliner ton dossier autant que sur un Duster classique. Voilà. Okay. C'est vite bridé par la cloison qu'on a derrière nous. Okay. Ou on peut avoir la visibilité sur l'arrière si on n'avait pas la tente de toit. Voilà, exactement. Qui peut être aussi. Exactement. Moi j'aime bien ce genre de choses. Et bon, alors frein à main ici. Ah oui, c'est encore un frein à main mécanique là-dessus. On a sur les versions 4x4, souvent c'était. Les quatre caméras sur les rétroviseurs, c'est ça, et avant-arrière. Avant-arrière, donc là tu peux l'avoir à l'avant. Bon, à l'arrière, forcément, ouais. On va avoir la roue, mais tu peux toujours l'avoir à l'avant et sur les côtés. C'est une option, c'est plutôt utile quand tu fais quelques petits passages. Tu sais pas trop où tu mets les roues, c'est plutôt pas mal. C'est vrai que ça reste toujours en plus, je trouve. Hop, on a désactivé frein à main. Bon, après, ça reste un Duster. Donc cette fois-ci, c'est donc 150 chevaux, tu m'as dit. 150 chevaux, essence, GPL, et donc boîte 4x4 spécifique. Donc tu vois, avec une première très courte. Ok. La première très courte, ça sert justement quand on est dans de la terre, du sable et autres, pour avoir plus de couple, comme on le disait. Voilà, exactement. Et en forte montée aussi, ça te permet de passer. Alors, ça ne remplace pas, comme on le disait, hein, exactement une vraie boîte courte que tu peux avoir, une vraie boîte de transfert sur un 4x4. Il n'y a pas de gamme courte, mais en revanche, la première un petit peu raccourcie, peut-être quand même bien sur des petits franchissements. Là encore, on n'est pas sur un Toyota Land Cruiser, sur un Land Rover, mais on reste sur un très bon SUV en termes de franchissement. C'est, en général, on considère que le Duster, c'est quand même le SUV qui franchit le mieux. Voilà. Okay. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est surtout la direction. Elle est d'une légèreté. Elle est très légère, oui, tout à fait. C'est ultra assisté. Et c'est vrai que la première est hyper courte. Donc, sur le Duster 2 phase 2, en fait, ils sont passés à une direction complètement électrique qui a été un petit peu recalibrée. Donc, elle se durcit au fur et à mesure que tu prends de la vitesse, mais... C'est vrai qu'à basse vitesse, et ça peut être un inconvénient en tout terrain. C'est-à-dire que tu sens pas vraiment ta direction sur certaines manœuvres, elle est un peu trop assistée. On verra sur le Duster 3 s'ils ont corrigé ce petit défaut. Ok. Bon, après, sinon, ça reste un Duster. Bon, quoique, ça, c'est un moteur que nous, on n'a pas en France, comme qu'on a disais. Pu. On a plus. Ouais. Ok. Moi, je pense maintenant, j'avais essayé la version diesel. Voilà, ouais, en 4x4, de toute façon, depuis le restylage, en gros, tu peux plus avoir de. Ok. On a quand même le start and stop et autres. Ah, tout à fait. Ça change pas. Ok. On a vraiment l'impression quand même de sentir dans un 4x4, enfin avec le capot qui est un petit peu bombé et autres. C'est ça, ouais, bah t'as une position qui est SUV, forcément là t'es un petit peu plus haut que dans un Duster normal, t'as 4 cm en plus, t'as une position SUV, c'est aussi pour ça que ce genre de véhicule fonctionne, hein. Les gens recherchent ça, même en version 4.2, tu domines un petit peu la route, et c'est vrai qu'en termes de visibilité c'est pas mal, il y a une belle surface vitrée malgré tout. Après, comme tu vas le voir, et bah, c'est surtout 3 quarts arrière où là la visibilité avec le pick-up, t'as plus rien. Ouais, c'est vrai. Bah, oui, c'est vrai que le 3 quarts arrière, donc là on a un angle mort qui est vraiment mort, vraiment mort, hors de chez mort. C'est et ça. Puis la visibilité ici, c'est plus compliqué, donc on va vraiment miser sur ces rétroviseurs exactement, latéraux. Exactement, sachant que celui-là ne te sert plus à rien. Carrément. Ça c'est juste pour madame si elle veut se refaire un petit coup de maquillage. Et non, bah, ça reste assez agréable. Effectivement, on sent que c'est plus ferme, donc tout à fait. C'est plus réactif, surtout avec cette suspension plus dure. Oui. Même si on a des pneus avec des flancs assez hauts. Mais là, on le sent par exemple sur ces Dodan, là, où c'est une sorte de petite bosse comme ça. Mais tu vois, t'as pas de rebond par contre, par rapport à la suspension d'origine, ouais. Où il va avoir tendance à être plutôt mou. Exactement. Là, ça rebondit une fois et terminé. Mais en revanche, bah, c'est au détriment du confort, forcément. T'as pas de suspension qui te permette de tout avoir. Tu peux pas avoir et du confort et des aptitudes en franchissement. Et surtout, là, comme tu gagnes de la hauteur, t'es quand même obligé de compenser à un moment donné par une fermeté de la suspension. Complètement. Non, mais moi, je trouve ça agréable. C'est pas plus mal. Et je pense que même en montagne, le fait que ce soit comme ça, pour dans les virages où t'enchaînes énormément de lacets, je pense que c'est mieux que de prendre du roulis et complètement. Sentir ta voiture qui s'écrase. Quoi. Ça en fait pas une sportive, mais malgré tout, ça reste plutôt pas mal. Là où il faut se méfier en revanche, c'est là avec ses pneus. L'adhérence, elle est quand même précaire sur le mouillé.
c'est des gros crampons, t'as pas la même adhérence, donc t'as des phénomènes d'aquaplaning qui arrivent quand même assez vite. Donc les gens qui montent des pneus AT, en général, ils le font en connaissance de cause, mais bah, tu peux pas vraiment profiter du gain que tu as en tenue de route par rapport au Duster classique, on va dire. Ok. Après, là, on entend les bruits de roulement, justement, ah, oui. à cause ah, de ça, ces c'est pneus. Les pneumatiques, hein, ça, il faut vraiment voilà. la différence. Complètement. Complètement. Après, quand on s'achète ce genre de voiture, c'est pas parce qu'on va faire des Paris-Marseille régulièrement sur l'autoroute. Non, c'est vrai. Bah, en tout cas, tu la transformes pas comme ça. C'est vrai qu'après, si tu veux vraiment faire de la route, bah, tu prends le TCE 150 en boîte automatique, il fait le taf, c'est les mêmes performances. Et ça va faire le boulot. Là, c'est pour une utilisation plus polyvalente, mais forcément, tu vas dégrader les capacités routières en augmentant les capacités tout-terrain, c'est normal. Complètement. Moi, je le trouve agréable. Franchement, le Duster, alors, avant d'essayer les Dacia, ou tu sais, Dacia, ça avait quand même cette réputation, c'est des voitures entrées de gamme et autres. C'est ça. Mais en fait, quand t'essaye, alors certes, c'est pas c'est du haut de gamme ou quoi que ce soit. C'est, on reste chez Dacia, ouais. Mais à conduire, je trouve pas ça déconnant au final. Non, ils ont progressé. Le Duster 2 marquait déjà vraiment une grosse étape par rapport au Duster 1 en termes d'insonorisation. Ça reste inférieur à ce que tu as à la concurrence, évidemment. Mais voilà. Et puis, l'équipement est plus moderne. Tu as une ergonomie qui se rapproche quand même de ce que tu trouves chez la concurrence. Ouais, enfin, on a quand même l'écran, on a le CarPlay, l'Android Auto. L'écran est pas mal, exactement. Tu peux avoir pas mal de choses. Tu as des petits équipements de confort qui sont quand même bien. Tu as une clim auto. Voilà. Alors, c'est pas du haut de gamme, évidemment. Mais plus les années passent et plus Dacia finalement fait attention quand même aussi à la présentation et pas seulement au rapport qualité-prix. Ouais, et puis t'as quand même le régulateur et autres, donc voilà, t'as tout ce dont on a besoin clairement dans une voiture. On a l'aide au démarrage en côte, enfin tout ce genre de choses. Complètement. Ça reste quand même une voiture correcte. Et tu sais combien ça coûte d'occasion à peu près une version comme ça? Alors aujourd'hui, un Duster 4x4, alors le problème du Duster 4x4 c'est qu'il a une cote qui se maintient. Alors déjà les Dacia globalement ça descend pas, très peu en tout cas. D'ailleurs récemment ils ont eu un prix justement pour la valeur résiduelle de leur voiture qui reste la plus forte du marché. Ça descend peu, les prix à l'achat sont pas très chers, mais la valeur descend pas. Et le Duster 4x4 il est minoritaire, il l'est de plus en plus. En fait pendant longtemps le Duster 4x4 c'était à peu près un quart des ventes. Aujourd'hui ça a baissé aux alentours de 10%. Ce qui fait que ça se raréfie et donc forcément sur le marché de l'occasion, ça tire les prix vers le haut. Donc, même aujourd'hui, tu vas aller chercher un Duster 4x4 du tout début, de 2010-2011, à 200 000 km, tu vas encore payer ça 8 000 euros. C'est fou, parce qu'à l'époque, les gens achetaient ça 16 000 euros, tu vois. Enfin, la voiture, elle a perdu très peu de valeur en maintenant 15 ans quasiment de carrière. Ah, ça, c'est fou. Donc voilà, alors ça d'occasion, déjà le pick-up, va falloir le trouver. Tu n'en as pas beaucoup en œuvre, donc d'occasion, tu vas pas gagner beaucoup en fait en occasion. Peut-être que tu vas en trouver certains à 25 000 euros, mais pas beaucoup. En plus, c'est assez récent, donc ça décote très peu. Ok, ouais, donc au final, autant s'en prendre un neuf configuré comme on veut. Quoi. Exactement, ouais, si on veut ce véhicule-là, aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus raisonnable d'en acheter un neuf. Alors, quand on voit passer en occasion, ils sont pas très loin du prix du neuf. Okay. Tu peux en trouver qui ont un petit peu roulé, mais en général, surtout les gens les gardent. Et on parlait tout à l'heure de la Logan Pick-up. Tu regardes aujourd'hui la Logan Pick-up, elle est quasiment d'occasion au prix où elle était vendue en neuf en 2010. Hein. C'est hallucinant. Donc, c'est un bon investissement, une Dacia. C'est presque un bon investissement, on va dire. En tout cas, tu perds pas beaucoup avec, surtout avec le Duster 4x4 qui reste recherché. D'accord, c'est intéressant. Moi, l'autre fois, je voulais m'acheter une Dacia parce que je roule beaucoup de voitures qui sont pas à moi. Je me suis dit, tiens, je vais me prendre une voiture pas trop chère. Et j'ai essayé de négocier une réduction chez Dacia. Il y a zéro réduction chez Dacia en plus. Rien du tout. C'est même pas un petit geste commercial ou les tapis offerts, quoi. C'est ça. Bah, quand tu arrives à avoir les tapis, t'as négocié âprement, tu vois. En fait, c'est leur politique aussi. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que les voitures conservent une assez bonne valeur en occasion. Tout le monde l'a payé le même prix. T'as pas un phénomène qui a pu parasiter dans d'autres marques où tu avais des rabais de 25-30% parfois sur le neuf. Et là, forcément, ça a tendance à tirer la valeur de ton véhicule vers le bas. Si tout le monde l'a payé au même prix en sortie de concession, elles valent toutes la même chose en occasion. Les décotes sont à peu près proportionnelles. Donc, effectivement, chez Dacia, il n'y a rien du tout. Après, il peut y avoir des opérations spécifiques sur des fins de stock ou autre, mais même chez Dacia, il y a très peu de stock en fait. C'est en flux tendu. Donc, non, tu ne peux pas négocier grand chose d'une manière générale, quel que soit le modèle. Ok. Non, mais après, voilà, ça reste un Duster assez intéressant. Et puis, ce qui serait marrant, c'est surtout de l'emmener en tout terrain un jour. C'est ça. Bah oui, écoute, avec plaisir. Si ça vous tente, vous aussi, vous nous dites. J'en suis sûr qu'Olivier serait très motivé pour faire ça. Je vous emmène, il n'y a pas de souci. Et se faire un truc fun. On va peut-être organiser des trucs fun. On vous tient au courant prochainement. Mais
cette année, il faut que ce soit fun. Moi, j'ai envie que 2024 soit fun. Tout à fait. Et qu'il se passe plein de choses et qu'on fasse d'autres choses aussi, d'ailleurs. On va prendre un petit peu plus de rythme. Donc oui, on voit que la première est très courte. Très courte, tout à fait. Après, 150 chevaux, ça marche quand même suffisamment. Ça marche suffisamment. Tu es sur un 0 à 100 aux alentours de 10 secondes. C'est pas du sport, mais ça va. Ça fait, sachant que la boîte, alors la première est courte, mais les autres rapports sont aussi plus courts. Hein, par rapport, tu as quand même un poids supplémentaire de la transmission 4x4, une centaine de kilos à peu près. Donc forcément, l'étagement a été revu un petit peu plus court que sur un Duster 4-2. Ok, mais bon, là on a 70, on n'a même pas 1500 tours. On a une boîte 6. On a une boîte 6, voilà, avec une sixième plutôt autoroutière pour abaisser le régime, mais avec quand même des reprises qui sont pas mal. Ce moteur, en fait, il a presque autant de couple que le diesel, qui a 250 Nm de couple, assez bas, à 1600 tours à peu près, tel couple maxi. Et c'est relativement souple. Après, ça te colle pas au siège, c'est pas brutal évidemment, mais on est déjà sur quelque chose qui est pas mal. Et là encore, le poids fait que voilà, 150 chevaux aujourd'hui, c'est loin d'être exceptionnel. Mais sur une voiture, allez, tu prends le même en 4-2, t'es à 1300 kg, donc ça commence en rapport poids-puissance, ça commence à être pas mal. Ouais, complètement. Puis on a un rayon de braquage plutôt agréable aussi. Ça tourne assez bien, ouais. Je pense que c'est la bonne voiture polyvalente. C'est pour ça qu'il s'en est vendu autant. Exactement. Exactement. Non, enfin, ouais, on sent que ça suffit largement. On a pas besoin de plus pour tous les jours. Et le but, c'est pas forcément de la pousser, comme on dit. Hein. Complètement. C'est pas une voiture sportive. Non, c'est pas une voiture sportive. C'est pas fait pour ça. Mais tu as une réserve de puissance. Tu peux doubler sans arrière-pensée. Ça fonctionne bien. Voilà, ça résiste assez bien à la charge aussi. Tu peux tracter. C'est comme tu disais, c'est polyvalent en fait. Un véhicule. Moteur, on l'entend pas tant que ça, c'est surtout les bruits de roulement. C'est surtout les bruits de roulement, tout à fait. La mécanique est plutôt bien isolée, puis c'est un moteur essence, donc t'as pas de vibration évidemment, comme tu peux l'avoir sur le 1.5 DCI. La mécanique en elle-même, effectivement, tu l'entends pas. Après, t'as un petit peu de bruit de transmission, t'as des bruits aérodynamiques, le encore fait que ce soit un pick-up, voilà, exactement. T'as vu qu'ils ont démonté les barres de toit, évidemment, ouais. Mais malgré tout, tu continues à avoir un flux aérodynamique que tu entends. Et puis le Duster, même d'origine, de toute façon, en tout cas le Duster 2, c'est pas le meilleur élève de sa catégorie au niveau bruit aéro. C'est sûr. Mais bon, non, bah, ça reste une voiture. En plus, celle-ci, vraiment un petit peu plus atypique. Bon, j'avais essayé toutes les versions des Duster déjà. Bon, moi j'aimais bien, et c'est vrai que la boîte EDC, je la trouvais très agréable au quotidien. C'est vrai. Et ça manque un petit peu, et c'est quelque chose que les clients réclament, et ça va arriver sur le Duster 3. Mais une version 4x4 en boîte automatique, je pense qu'aujourd'hui ça serait un bon compromis. Mais ça, c'est pas encore pour tout de suite sur le nouveau Duster. On espère, peut-être Dacia. Ça devrait arriver normalement, parce que tu vas avoir de nouvelles motorisations sur le Duster 3 qui vont arriver au fur et à mesure. Et puis tu as la transmission qui va changer. Le Duster 3, là, en début de carrière, il reprend la transmission mécanique qu'on a sur celui-là, donc la transmission Nissan dont on parlait. Mais ça, c'est quelque chose qu'ils vont devoir abandonner parce que, pareil, quand tu traques les moindres grammes de CO2, une transmission mécanique, ça consomme. Et donc, normalement, au milieu de carrière, le Duster 3 va passer à une transmission arrière électrique, donc d'accord, la I4WD, okay, où là, tu auras en fait un bloc électrique à l'arrière et plus de liaison mécanique entre ton bloc thermique à l'avant et ta transmission arrière. D'accord, parce que plus en plus de marques font au final. Exactement. Et qui rend les choses plus pratiques d'un côté. L'avantage également, quand c'est électrique, c'est que l'électrique, ça a beaucoup de couple. Ça a énormément de couple et tout de suite. Alors que là, quand tu es sur du thermique, tu es quand même obligé de lancer un petit peu ton moteur. L'électrique, d'abord, c'est ce qu'il va falloir voir maintenant. C'est forcément, on va avoir une batterie pour faire ça. Donc, quelles vont être les incidences en termes de poids? Et puis surtout, est-ce que cette version un petit peu hybride électrique, si tu veux, va apporter quand même suffisamment de couple dans la durée pour pouvoir faire du 4x4 pendant longtemps? Ça va être un petit peu bon. Mais ça, parce que souvent, les gens, c'est pour dépanner, souvent, c'est sortir d'une situation. Exactement. Mais c'est vrai que pour les gens qui voudront aller se faire des raids, ça sera peut-être différent. Quoi. C'est ça. Il y a une situation où parfois, tu sais, pendant quasiment une heure en mode lock, parce que tu es sur une piste qui grimpe avec très peu d'adhérence et tu n'as pas le choix. Tu es obligé d'être toujours en 4 roues motrices si tu veux avoir de l'adhérence et grimper et arriver où. À voir après, peut-être comme les moteurs e-tech de chez Renault, au final avec quelque chose de débrayable qui alimente, etc. Oui, complètement. C'est le moteur qui tournera, qui alimente au final. Tout à fait. Ah oui, il servira de génératrice forcément. Un petit peu comme Audi le fait sur le Dakar. Hein. C'est ça. Un moteur qui génère juste comme un groupe électrogène qui alimente les moteurs, ça peut fonctionner comme ça. Et également, on a l'avantage d'avoir tout le couple, toute la puissance, tout le temps en instantané. Et, moi, j'aime bien ce principe. Il y a de plus en plus de marques qui font ça. On peut voir Nissan qui fait ça, par exemple, sur le X-Trail, sur le Qashqai.
trouve que ça fonctionne pas trop mal. Bah, ça a des agréments de conduite différents. C'est ça. Mais t'as le meilleur des deux mondes en fait. Tu as le couple instantané de l'électrique, la réponse, et puis tu as pas le problème d'autonomie puisque t'as quand même un bloc thermique qui malgré tout est toujours là pour te propulser quoi qu'il arrive. Faudra juste que ça reste contenu pour rester dans les prix d'Dacia. C'est ça. Et ça c'est un petit peu le problème en ce moment, c'est que toutes les marques, on le voit, elles augmentent les tarifs parce que t'as une pression quand même de la réglementation CO2 notamment, une pression aussi de la réglementation sécurité hein, parce que tous les équipements qu'on rajoute aujourd'hui ils ont un coût, donc forcément le prix des Dacia ils augmentent, même si tu le disais sur le Duster 3 on reste quand même sur une augmentation qui est raisonnable par rapport à la génération actuelle. Mais quand on voit que par exemple un Duster full option maintenant c'est aux alentours de 30 000 et que ça commençait à 11 299, ça fait quand même presque le prix de 3 Duster l'époque en entrée de gamme. De base, effectivement, mais bien sûr tu peux pas comparer l'équipement ni la sécurité et encore moins la motorisation maintenant. Exactement. Effectivement, le Duster qui a presque 30 000 c'est l'hybride 140 qui sera pas forcément le meilleur choix, et quand tu regardes un TCE 130 aujourd'hui tu es plutôt aux alentours de 25 000 sur un Duster 3, et finalement la version 4x4 on n'est pas beaucoup plus cher qu'aujourd'hui, on a peut-être 2000 euros de plus, donc à voir maintenant comment ça se débrouille en réalité, hein. C'est les essais qui vont nous le dire. Hâte de les essayer en tout cas. Complètement. Ouais. Bon, ça ressemble quand même à de l'intérieur, comme ça je pourrais pas me douter si je regarde pas derrière moi que c'est une version pick-up. Complètement, exactement. T'as un petit peu moins de place, moins de rangement forcément, mais pour le reste, t'es dans un Duster normal. Complètement. L'avantage également, c'est que ça devient un petit peu comme un véhicule professionnel. Complètement. Donc on n'a pas de malus. Pas de malus, même en essence. Alors au GPL, de toute façon, traditionnellement, t'as peu ou pas de malus. Mais même si tu le prends en essence, forcément, c'est un utilitaire de place, carte grise utilitaire. Donc tu n'as pas de malus sur cette version. Ok. Pour vous qui regardez cette vidéo, est-ce que c'est quelque chose qui vous tenterait ou vous êtes plutôt non, on préfère se prendre un gros 4x4, un gros pick-up ou est-ce que vous aimez bien justement ce côté? Ah, c'est vrai qu'on a la légèreté, on a une voiture Dacia. Niveau pièces, je pense que tout doit être assez facile à trouver. Et c'est pas cher. Ça reste effectivement économique à l'entretien. On est quand même sur des pièces tout à fait courantes, on va dire. Complètement. Donc je pense que c'est un bon compromis pour quelqu'un qui recherche une version un peu d'une voiture tout-terrain et également d'un pick-up à prix, on va dire, assez contenu, même si c'est vrai que c'est pas forcément la voiture la moins chère lorsqu'elle est équipée. C'est ça. Après bon, ça se réfléchit, mais il y a d'autres impacts aussi à réfléchir puisque c'est une voiture plus légère, ça consomme moins. Ça consomme beaucoup moins, c'est moins cher à l'entretien, à l'assurance, plein de choses. T'as un gabarit qui est plus compact, forcément, parce qu'un pick-up de 5,50 m de long, quand t'es en ville, ça reste quand même un petit peu compliqué à gérer, pour te garer, etc. Donc voilà, c'est complètement autre chose. C'est pas, en fait, tu peux pas le mettre en face d'un Hilux, ça fait pas le même boulot. Il n'y a pas de concurrence, évidemment. C'est vraiment autre chose. Et tu vois, par exemple, une clientèle de ce véhicule, ce sont par exemple les villes qui ont besoin de véhicules pour les entretiens des espaces verts, d'avoir un petit peu de capacité de charge, mais qui en même temps ont des politiques. Aujourd'hui, ils tendent à prendre des motorisations basse émission, notamment au GPL ou à l'essence. Et ça correspond à ce genre de besoin. Ça va pas après remplacer, évidemment, je pense, tous les pick-up très loin de là. C'est sûr. Ok. Bon, Olivier, en tout cas, merci beaucoup pour cette vidéo. Et merci à toi, Nico. Merci d'avoir essayé. Ravi d'avoir passé ce moment avec toi. Et puis, n'hésitez pas, pour ceux qui suivent Daciatitude, il y a une page Facebook. Il y a une page Facebook, il y a évidemment le magazine, tous les 3 mois chez le marchand de journaux. Donc là, le nouveau numéro, on va arriver à peu près pour le salon de Genève avec pas mal de nouveautés dont tu vas parler aussi sur ta chaîne. On n'a pas fini de se voir dans les mois qui viennent. Et puis également, depuis quelques temps, une toute petite chaîne YouTube. Et puis voilà, et puis surtout effectivement une page Facebook sur laquelle on échange pas mal avec nos lecteurs. Voilà. Super. N'hésitez pas à suivre Olivier partout dans ses aventures. Et si vous êtes fan de Dacia, je sais qu'il y a une très grosse communauté. J'avais entendu dire qu'il y avait plus de fans Dacia dans le monde que Ferrari à l'époque. Ah, c'est possible. En tout cas, il y a plus de clients Dacia que de clients Ferrari. Ça, c'est sûr et certain. Mais bon, je vous dis à bientôt en tout cas. Et puis, bonne journée à vous. Et puis, ciao. Et n'hésitez pas à vous abonner comme ça, même au réseau d'Olivier, Daciatitude, un petit peu partout. Allez, ciao. Merci, au revoir.